On se retrouve pour un petit haul action, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un haul action. J'y suis passée, aujourd'hui on est vendredi, je pense que vous aurez cette vidéo la semaine prochaine. Est-ce que j'ai racheté un sac action? Oui. Est-ce que je n'avais pas de sac quand je suis à l'action? Oui. Vous avez vu, 2000, c'est quoi, 2000 stories. Ils ont plus de 2000, un an de stories. 2000 stores, donc il y a plus de 2000 magasins en Europe. Ok, allez, je vous mettrai comme d'habitude les prix dans la vidéo parce que sinon ça va être pas possible. Alors, j'y suis allée parce que j'ai eu mon mari au téléphone et il m'a dit il n'y a plus de gâteau apéro à la maison. Donc, paprika, chio, comme ceci, vous savez, nous on les aime beaucoup à la maison. J'ai pris également pour Chouchou qui les adore, les fameux Stick Lays. Comme ceci, parce qu'il les aime bien, c'est comme des chips, mais coupés en frites. Voilà, donc ça, il les aime bien, mais vraiment un chips coupé en frites. Hein. Il n'y a pas d'épaisseur, rien, mais il les aime bien. Donc voilà, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. J'ai repris les Big Chipito comme ceci. Hop, 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 voilà, ce, ça. Ce sont mes préférés, donc voilà, les Big Chipito. Tous mes amis me disent que c'est très chimique et que c'est pas terrible, mais moi j'adore ça. Et j'ai vu que de Cheetos, ils avaient également les Crunchetos saveur fromage. Donc peut-être que ça plaira plus à chérie, donc écoutez, je trouve que c'était un petit peu cher pour le petit paquet, mais j'ai voulu tester et il marque aussi New. Donc on testera ça. Voilà pour les gâteaux apéro. Ensuite, j'ai pris également en nourriture des petits trios chocos comme ça pour les petits plaisirs du soir. De chez Milka, nous on les aime bien ici, donc pourquoi pas. Je me suis repris des petits tops. Ah oui, il y en a un deuxième quelque part, il doit être là. Je me suis repris des petits tops pour, vous savez, mettre sous les pulls ou ces petites choses-là. Donc j'ai pris celui-ci qui est de la marque Dolce Bella, blanc. C'est un spaghetti blanc comme ça. Est-ce que je peux l'ouvrir? Est-ce que je peux regarder un peu comment est la matière et tout ça? Il n'y a rien à manger, ma doudou. Hop! Pas de tâches sur les mains. Et j'en ai pris exclusivement des blancs parce que les noirs, j'ai ce qu'il faut. Mais en blanc, j'en manquais un petit peu. Bon, écoutez, ils sont pas mal. Sont pas mal, petit top spaghetti noir. Il y a, les bretelles sont pas réglables par contre et bien extensibles et tout, donc écoutez, moi je dis oui. C'est quelle matière ce truc là? 95% coton, 5% élastane, donc voilà, il m'en fallait des blancs pour mettre sous des pulls blancs, donc c'est cool. Et j'avais déjà pris celui-ci, donc je l'ai gardé. C'est pas la même matière en fait, c'est une matière un peu plus c'est en quoi ça? 92% PA, je sais pas ce que c'est que... Alors il y a 92% PA et 8% de EA. Si ça vous aide, moi ça m'aide pas. Je l'ai pris en LXL et c'est un blanc pareil avec bretelles spaghetti. Mais voilà, ça c'est cool pour mettre sous les tops. Là je suis rechargée en top et en machin. Je me suis repris un lot de culottes comme ça. Et c'est ceux-là avec la petite dentelle parce que ça fait un effet shorty, je les aime beaucoup. Ceux-là je les ai pris en L. J'ai pris des mix mélange de graines comme ceci. Parce que l'après-midi, je suis passée à un autre goûter que les conneries et je mange du... Alors, du yaourt, du fromage blanc en fait. Là, cette semaine, j'ai pris du skyr, je mets de la banane, je mets du kiwi et j'ai pris des petites graines pour mettre dessus également. Ensuite, j'ai pris un plateau comme ceci, noir, pour mettre sur ma table. Parce qu'en fait, sur ma table, j'ai un pot de fleurs un petit peu gris. Et en dessous, j'ai mis un set de table. Mais le set de table, il est vieux et il est plus très beau. Donc, je me suis dit que mettre ça en dessous, ce serait sympa. Je l'ai trouvé joli. Alors, il n'y avait qu'en bois noir comme ça. Mais c'est ce que je voulais. Donc, ça tombe très bien. Vous savez, ça fait comme un petit plateau. Après, vous pouvez mettre des bougies dessus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est sympa. J'ai pris une tasse. Oh, mince! Elle a frotté contre mon truc noir et parce que je l'ai trouvée trop belle. Elle est blanche, mais il y a plein de traces noires du coup. Regardez, je suis dégoûtée, j'espère que ça va partir au lavage. Elle est blanc mat avec marqué Good Vibes. Il y avait Be Happy et il y avait Georgius, je crois. La anse est dorée comme ça. Attention, micro-ondes. Micro-ondes, on passe pas. Voilà, très 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 jolie. Et mon mari va me dire, encore une tasse. Bah oui, mais je l'ai trouvée trop belle celle-là, chérie. Dans la collection Saint-Valentin, ils avaient de très jolis carnets. Et comme le mien pour YouTube commence à être quasiment plein, j'en ai pris un, je l'ai trouvé trop joli. Il existait en rose comme ça ou en rouge. Mais moi je l'ai pris rose. En plus il y a le petit crayon qui va avec et tout, c'est trop mignon. Attendez, j'essaie d'enlever ce... Hop, ce truc là. Donc c'est un carnet qui se présente comme ça. Il est rose clair avec des cœurs en relief. Vous avez écrit love en bas et vous avez le petit crayon doré accroché. Et c'est tout simplement des bandes, des lignées avec un petit
truc pour mettre où vous en êtes. Voilà, il n'était pas très très cher et je l'ai trouvé sympa. J'ai repris Alvira des petits cotons à démaquiller parce que je crois que je tombe en rade. Donc ça, j'ai jamais perdu. Alors. Voilà. Ils ont sorti des cookie mix, donc les gros paquets de gâteaux, mais cette fois-ci en gros pack, en big pack. Il y a 1,75 kg dedans, donc ma birdie est prête pour un petit moment de gâteau. En plus, on tombait en rade, donc c'est cool. Donc voilà, elle va être trop contente. Ensuite, hop. Attendez, je vais tout sortir du sac, comme ça, ça fera plus de bruit. J'ai pris un pot de sel comme ceci, I love pink salt, donc c'est un moulin à sel rose de l'Himalaya, je suppose. Sel de l'Himalaya, voilà, parce que j'adore mettre du sel de l'Himalaya dans mes plats, je trouve que c'est un goût un petit peu différent du sel traditionnel. Donc voilà, pour ça, j'ai repris un lot de scotch. Bête, voilà, parce que bah, j'ai utilisé mon avant-dernier récemment, donc comme j'y suis allée, j'en ai pris. Donc voilà, un petit pack de rouleaux de scotch, il y en a 6. J'ai pris un gel douche Dove comme ceci, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo produit fini que j'allais le racheter si je retournais à Action. Donc c'est le Pampering de chez Dove qui sent très très bon et moi j'aime bien cette odeur. J'aime bien cette odeur, il est agréable sur la peau. Et voilà, donc celui-ci est très bien. J'ai repris un déodorant Axe pour chérie parce que, et en ce moment, j'essaie de, enfin, il m'avait demandé de choisir d'autres déodorants et il me dit qu'il pue. Voilà, donc on est reparti sur les, je lui ai repris un Axe, c'est le Axe fraîche. En général, quand il utilise des Axes, ça lui va très bien. J'ai trouvé, je vous garde le meilleur pour la fin, la dernière palette donc de chez Max & More, c'est la Skyline Eyeshadow Palette qui se présente comme ça et à l'intérieur est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir pour vous montrer, attendez j'ouvre, voilà. Donc, et voilà, donc vous avez un grand miroir et vous avez des fards qui sont dans les teintes un peu beige et mauve comme ceci, donc je vous ferai bien sûr une vidéo avec cette palette, elle a l'air jolie, hein. Franchement les fards ont l'air jolis, les palettes Max & More en général, moi j'en suis contente, donc écoutez pour le prix ça valait le coup, et j'avais vu passer sur les groupes Facebook où je suis pour Action, des nanas qui avaient parlé d'un parfum de chez Calvin Klein qui était chez Action, et à mon grand étonnement, dans le premier rayon, vous savez, il y a tous les promos de la semaine, je l'ai trouvé, c'est le Sika One Summer, alors Sika One, c'est clairement le parfum de mon adolescence. Le Summer, je vous avouerai que je ne le connais pas plus que ça, mais il était, je crois, à 16,95€, quelque chose dans le genre. Donc je me suis dit, écoute, hein, au pire, hein, si tu ne l'aimes pas, eh ben, tu risques pas grand chose. Alors attendez, j'essaie de l'ouvrir, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Je sais même pas comment un parfum Calvin Klein peut se... Oh, j'ai un truc qui me pique dans le dos. Un parfum Calvin Klein peut se retrouver... Oui, je me gratte avec le truc. Peut se retrouver chez Action. Ah oui, je me rappelle de ça. Nous, c'était le Sika One basique, en fait, qu'on avait quand on était jeune. C'est le parfum typique mixte, en fait. Donc, vous avez le petit bouchon et il est vendu avec le petit truc que vous venez mettre dessus. Hop. Je vais le mettre dans le carton parce que j'ai peur que si ça me plaît pas, je fais comment après si je le mets sur moi. Ah, ça sent trop bon. Ah ouais, non mais ça me plaît bien ça. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'ils mettent? Il n'y a pas la fragrance ni quoi que ce soit. Découvrez des autocollants à l'intérieur de la boîte. Ah bon? Découvre les autocollants à l'arrière de la boîte, Hélène. L'arrière. Donc oui, là, vous avez un petit truc que vous pouvez relever. Ok. Attendez, je l'ai lâché. Ok. Et vous avez des petits autocollants que vous pouvez utiliser dans un agenda ou des choses comme ça. Bah écoutez, moi j'aime bien. Je vous mets tout de suite là les notes de tête, de cœur, de fond, tout ça. Mais je suis contente. Ah oui, ça c'est un parfum que... Ah oui, non mais ça, clairement, c'est un parfum que je vais porter cet été, ça.
J'aime beaucoup l'odeur. Bah écoutez, je suis contente, contente d'avoir pu le trouver parce que à 16,95€ ça vaut excessivement le coup. Donc voilà un petit peu ce que j'avais acheté chez Action aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez pu trouver la dernière palette par exemple ou le parfum Sikawan Summer, parce que franchement ça vaut le coup. Si vous n'avez pas pu, essayer d'aller voir, il y en a peut-être encore. Moi il y en avait encore une bonne dizaine, donc ça vaut peut-être le coup. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.